Ah, on démarre avec le fameux squeeze press. Alors clairement, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'étirement des pecs, la tension elle est pas dans le bon sens. En fait, ça revient à faire une sorte de développé couché, très très partiel, mais en plus avec juste 5, 10, 15, éventuellement 20 kilos. Donc vraiment avec un poids ridicule. Alors oui, bien sûr, il donne de très bonnes sensations, mais ça n'empêche pas qu'il sert à rien. Deuxième exo, des écartés qu'on peut faire à la poulie basse. On peut aussi les retrouver avec halter. Alors, c'est vraiment un exercice de full finition et qui la plupart, allez, 95% des cas, son but initial, c'est le focus du haut des pecs. Mais dans la majorité des cas, vous allez juste travailler l'avant de l'épaule à cause soit d'un manque de pec, soit d'un problème technique. C'est vraiment un exo qui sera utile que vraiment si vous avez un niveau avancé. Et enfin, les développés à la poulie. Alors là, très mauvais ciblage de pec parce que vous n'avez aucune stabilité. Donc pour mettre lourd, vous allez devoir forcer avec tout le corps et donc vous allez avoir beaucoup de parasitisme dans la contraction. En fait, ça va devenir un full body tout simplement. C'est tout votre corps qui va devoir lutter contre la charge et pas simplement vos pecs. Et en plus, on est à la poulie, donc sur une tension plus douce et moins efficace, alors qu'on est sur un exo de base, donc on devrait le faire avec des barres ou des haltères, ça sera beaucoup plus efficace.